de sources de nombreuses blessures que le FLN a ordonné à tous les Algériens de sortir ce soir pour manifester sur tous les grands axes de circulation de la capitale. Les Algériens ont reçu comme consigne de se rendre sur les points de rassemblement suivants. Place de l'Étoile, place de la Concorde, sur les grands boulevards, l'Opéra Bonne Nouvelle et Saint-Michel. Rawa Kanouzini, ils étaient beaux. Ouais, pour la Chine, les lèvres. واحد ما كان مسخ كل لابسين وكل محفين كلهم رايحين للعرس حقنا نص طريق نتاع بين لا ديفونس وبوندي حتى يجوا الناس راجعين والعياط والبارود يخبط قالوا لنا الهرب راهم البوليسيا يقتلوا في الناس ويلحقوا فيهم في لسان يزم هرب اكتوبر 61 خلاني في عمري 25 سنة مع 4 أولاد هذه 50 سنة وأنا نجري فأنا إلى الجرة ما كانش Des bruits courent. Le bilan des victimes musulmanes des manifestations serait incomplet. هذا الواد ماكلة ماكلة رجال On commence avec le massacre du 17 octobre 1961. Plusieurs dizaines de manifestants pour l'indépendance de l'Algérie avaient été tués par la police dirigée à l'époque par Maurice Papon. Et hier, François Hollande a officiellement reconnu le massacre au nom de la République. Avec nous ce soir, Tariq Ramadan et le député UMP Thierry Mariani. Première question, François Hollande a-t-il eu raison ? Ben oui, je pense que ça se faisait attendre et que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui en France, on reconnaisse que quelque chose de grave s'est passé en France, qui était inacceptable, et qu'en fait, contrairement à ce qu'on entend du côté de la droite et de l'UMP, le fait de reconnaître ce passé n'est pas de diviser les Français, c'est la réconciliation de tous les Français aujourd'hui au nom de la mémoire commune. Thierry Mariani. C'est une triple erreur. Une erreur d'abord sur la forme. Un communiqué de quelques lignes, franchement, ça ressemble à rien. Deuxièmement, une erreur sur le fond, parce que oui, il y a effectivement des massacres, mais de tous les côtés dans cette guerre d'Algérie. Et moi, j'oublie pas, par exemple, tous les Européens qui ont été massacrés à Oran en 62 après l'indépendance. J'oublie pas un certain nombre de massacres, notamment le village de Mélouza. Je voudrais que, dans ce cas-là, la reconnaissance des fautes, elle soit des deux côtés. Et qu'il y en a assez que ce soit toujours la France qui s'excuse. Et troisième erreur, une erreur de moment. Le président de la République va se rendre en Algérie. Je trouve qu'entamer un voyage en mettant déjà un genou à terre et en commençant à s'excuser, ce n'est pas la meilleure manière de... La réconciliation, elle doit se faire dans les deux sens. C'est-à-dire que le jour... Il y a eu un peuple colonisé, il y a eu des colonisateurs. Il faudrait que la France reconnaisse que la colonisation en aucune circonstance ne se défend. Donc on s'excuse de ce qu'on en a fait en Algérie. Moi, je ne m'excuse pas pour la colonisation, monsieur Ramadan. Je ne m'excuse pas pour la colonisation. Vous devriez. Écoutez, ça, c'est votre conception. Non, ce n'est pas ma conception, c'est la conception de tous les colonisés. Qui viennent en France aujourd'hui pour travailler, je me dis que finalement... peut-être la situation dans laquelle se trouve l'Algérie n'est pas aussi extraordinaire. Et deuxièmement, les dirigeants algériens aujourd'hui sont aussi responsables, puisqu'ils sont les héritiers du FLN, de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Les massacres ou les ignominies ont eu lieu des deux côtés. Monsieur, j'attends toujours le premier mot de début d'excuse des responsables. De s'excuser d'avoir été colonisé. S'excuser d'avoir massacré les Européens après l'indépendance. S'excuser d'avoir massacré les Harkis. S'excuser d'avoir dévasté les cimetières européens. Moi, je ne suis pas dans une posture d'excuse. Je crois que dans l'histoire de France, il y a des pages sombres, mais il y a aussi des pages dont on peut être fier. Monsieur, et la véritable vision de l'histoire de France, c'est un équilibre. Si vous écoutiez, ce serait bien. C'est pas une posture d'excuse. Non, mais je suis pas venu pour m'excuser, moi. Non, c'est une question. C'est une posture de responsabilisation. Mais la responsabilité. Quand on a tué sur la terre de France des dizaines de manifestants, qu'on les a massacrés, au nom de la dignité qui est votre mémoire, vous reconnaissez et vous vous excusez. Pas autre chose que cela. Pourquoi ? Pourquoi, monsieur ? Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie demande cette reconnaissance-là et que si l'on veut pour la France. Pour le bien de la France, pour les intérêts de la France, qu'elle avance avec sérénité en arrêtant ce qu'elle a dit de la France-Afrique pour venir aujourd'hui à un dialogue d'égal à égal avec ceux qui ont été colonisés, on commence par cela. Ensuite, il ne s'agit pas de s'excuser, il s'agit d'avancer ensemble. L'Algérie est indépendante depuis 50 ans. Sa situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui
c'est le résultat avant tout des 50 dernières années. J'en ai assez qu'on nous explique que la colonisation est la responsable de tous les maux. Mais comment on peut tourner la page ? Oui, on peut tourner la page. Mais dans ce cas-là, avec une reconnaissance mutuelle, dans une guerre, on sait tous qu'il y a des, hélas, des horreurs des deux côtés. On sait tous que les responsabilités, Vous voulez donc que les résistants à la colonisation s'excusent d'avoir résisté. Je veux d'abord qu'ils s'excusent. C'est une belle conception de l'histoire. Je veux qu'ils s'excusent aussi d'avoir massacré, Monsieur, par exemple, les Français qui ont résisté. Les Français qui ont résisté à l'Allemagne sont la dignité de ce pays. Les Algériens qui ont résisté à la colonisation française sont la mémoire digne de l'Algérie. Les Je vous interromps parce que j'ai avec moi les journaux qui sont sortis à cette période-là et voici la revue de presse des jours qui ont suivi la manifestation du 17 octobre 61 durement réprimée. Le lendemain, Paris Jour titrait 20 000 Algériens maîtres de la rue à Paris durant 3 heures. Quant au journal L'Aurore, il titrait cette agitation musulmane qui déferle jusqu'à Paris. Le Figaro, quant à lui, évoquait les violentes manifestations des musulmans algériens hier soir à Paris et reprenait le bilan officiel de 2 morts, alors que Libération doutait de la version officielle et s'interrogeait en disant « aujourd'hui le racisme, demain le fascisme » et déclarait que les travailleurs français sont solidaires des Algériens. Après la reconnaissance du massacre, faut-il passer aux excuses ? Oui, ça, c'était le sujet que nous avons évoqué. Excuses, excuses de qui ? Il n'y a pas d'excuses dans le communiqué. Il n'y a pas d'excuses dans le communiqué. De maintien de l'ordre a suscité des morts. Et voilà, il y a pas... Non, mais c'est la reconnaissance légitime et historique d'un reconnaît massacre. Reconnaît avec lucidité ses faits. C'est le communiqué fait une ligne et demie. Hein. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. Oui, mais c'est le travail des historiens. Je crois que le travail des politiques aujourd'hui, c'est effectivement de travailler la réconciliation. Mais je le répète, la réconciliation, elle doit se faire avec la reconnaissance de la faute des deux côtés. Au-delà de ce calcul qui, à mon avis, est quand même un tout petit peu mesquin. Vous parlez du calcul d'Hollande ? Non, ce que vous faites là, votre calcul. Moi, je pensais que vous parliez du calcul d'Hollande. De toute façon, parce que c'est une belle opération de diversion en ce moment. Non, c'est pas une question de diversion. Je pense qu'aujourd'hui, la France a énormément besoin de l'Algérie pour de multiples raisons en Afrique et en particulier pour le Nord. L'Algérie a besoin de la France ? Non, mais je vous parle de pourquoi ça arrive maintenant. Laissez-moi terminer. Arrêtez de dire en permanence qu'on a besoin, qu'on doit s'excuser. Monsieur, il ne s'agit pas de s'excuser maintenant. Simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que je reconnais une chose, c'est que ce moment, il est stratégique et ce n'est pas pour rien que ça arrive maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous reconnaissiez qu'il s'est passé en France, et vous avez vu les journaux, de la façon dont ils titrent, quelque chose qui est inadmissible pour la dignité de la conscience française, oui ou non. Vous avez en France aujourd'hui des citoyens français d'origine algérienne qui portent cette mémoire et qui aimeraient que la France reconnaisse ce qu'elle a fait. C'est légitime. Pourquoi vous avez aujourd'hui des excuses sélectives ? Vous vous excusez pour ce que vous auriez pu faire, par exemple, dans le massacre ou la collaboration avec les nazis et que vous ne vous excusez pas. Ce que vous avez dit on parle de la guerre d'Algérie, là. Attendez. Ouais. Ah, non, je parle de, la, non, de vos excuses Ramadan, sélectives. Si vous avez l'air de vous embrouiller. Non, mais là on revient en arrière. Non, il y a quelque chose de clair, on ne revient pas en arrière. Vous avez des excuses sélectives. Moi, je m'excuse de rien. Moi, je suis fier de l'histoire de France. C'est mon pays dans l'histoire de France. Je veux dire, il y a des phases glorieuses, il y a des phases moins glorieuses. Voilà. Ces événements-là font certainement partie. Voilà. Je voudrais aussi que les Algériens, à la veille du déplacement de voyage de M. Hollande, reconnaissent aussi les massacres qu'ils ont faits sur les Européens ou sur les Harkis. On va se retrouver dans 4 minutes.